fait une bonne quarantaine, cinquantaine ensemble et on est ravis de faire un nouvel événement ensemble aujourd'hui. Moi, je m'appelle Geneviève Fontaine, je suis une des deux co-gérantes de la société coopérative qui porte ce tiers-lieu. C'est un tiers-lieu donc Tetris, ça veut dire transformation écologique territoriale par la recherche et l'innovation sociale. Donc toutes les activités qu'on va vous proposer effectivement sont liées aussi à la transformation écologique des territoires. C'est un site qui fait 1 hectare en tout. Vous ne risquez pas de vous perdre quand vous êtes en bas, il faut monter, quand vous êtes en haut, il faut descendre, et vous vous retrouvez systématiquement dans cette cour. C'est grand, il y a 3800 m² de bâtiments. Certains d'entre vous vont partir sur des chantiers qui vont être dans des salles. D'autres vont partir dans des chantiers qui vont être dans les restantes. Vous avez le point central qui est là-bas, qui est le réfectoire, hein, de toute façon, où on va tous se retrouver. Certains d'entre vous vont partir aussi pour préparer le repas de ce midi avec vos équipes. Vous avez ici aussi toute une partie numérique qui va de l'inclusion numérique, médiation numérique, jusqu'à la R&D numérique. On fabrique des capteurs, on travaille sur l'Internet des objets appliqués à la transition écologique et par exemple à l'adaptation au réchauffement climatique. De l'agriculture et d'autres thématiques sur l'eau, sur la gestion de l'eau, etc. C'est très compliqué de résumer en 30 secondes l'activité d'un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un espace ouvert dans lequel il y a une philosophie d'accueil inconditionnel et derrière une proposition d'une activité très différente qui forme une sorte plein de portes d'entrée pour des publics très variés, puisque l'objectif d'un tiers-lieu, c'est que des gens différents, dont la rencontre était a priori improbable, puissent se rencontrer parce que de là naît l'intelligence collective et l'intelligence sociale.